Bonjour. D'après le pape Pie XI, l'une des plus grandes saintes de toute l'histoire de l'Église, c'est sans conteste Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me rappelle que quand j'étais petit, avant même de connaître la foi, ma grand-mère m'avait dit, en me montrant une image de Sainte Thérèse, que c'était la petite Sainte Vierge, qu'il y avait la grande Sainte Vierge, la Vierge Marie, et la petite Sainte Vierge, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les titres qui lui ont été donnés sont incroyablement puissants. Quand on imagine que cette petite carmélite morte à 24 ans en 1897 a été créée, et c'est extrêmement rare, docteur de l'Église catholique, alors on comprend. Je dirais que des gloires, il en est tombé de plus importantes, mais uniquement sur la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Elle est la Mère de tous les vivants, la Nouvelle Ève, etc. On connaît les litanies de la Sainte Vierge. Alors pourquoi? Eh bien, je voudrais raconter ici un des premiers miracles, disons, des premiers miracles reconnus de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ont servi lors de son procès en béatification. Alors qu'elle n'était encore que vénérable, il a eu lieu en 1910 et à cette occasion, eh bien, par le sens allégorique qu'elle donne évidemment à ce miracle, raconter ce qu'est la petite voie qu'elle a indiquée, une petite voie toute droite, vraiment, qui menait vers le ciel. D'abord, le miracle. Nous sommes donc en janvier 1910. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte le 1er octobre 1897. Et déjà, ses manuscrits se sont répandus à travers les Carmels et des traductions ont déjà été faites, ce qui fait que dans ce sud complet de l'Italie, dans un diocèse très pauvre, dans la ville de Gallipoli, eh bien, on a entendu parler de ses écrits qui ont été déjà traduits en italien. La prieure du petit Carmel de Gallipoli s'appelle Mère Maria Carmela del Sacro Cuore di Gesù, du Sacré-Cœur de Jésus, et je dirais, elle sait, elle est pleine de soucis, que son Carmel est vraiment dans une grande difficulté. Le pays est très pauvre, il y a très peu de dons, elle n'arrive pas à survivre. Elles seront peut-être obligées de fermer. Alors elle a l'idée, avec les religieuses de son couvent, de faire ce qu'on appelle un triduum, pas une neuvaine, quelque chose de plus court, 3 jours de prière à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et au Saint-Esprit, par l'intercession de Sainte Thérèse, ou plutôt de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas encore sainte, pour demander que 300 lires en particulier, et à l'époque les lires ne valent pas comme maintenant, elles valent très cher, 300 lires qu'un usurier, ou plutôt qu'un fournisseur, un fournisseur des travaux du couvent réclame absolument maintenant, il en a parfaitement besoin. Et donc, eh bien, on se tourne vers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec beaucoup de ferveur. Avant d'aller plus loin dans ce que je vais raconter, quelles sont mes sources? Eh bien, il y en a plusieurs. Et la première, c'est évidemment la correspondance de Mère Maria du Sacré-Cœur de Jésus au Carmel de Lisieux. Tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, elle l'a raconté. Et les choses ont été ensuite transmises au Vatican pour son procès en béatification. On a aussi, de manière concomitante, un courrier de l'évêque de Nardo, donc l'évêque du diocèse, dans ce sud de l'Italie, dans les Pouilles, qui a lui-même bénéficié de l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qui a donc confirmé ce dont il avait été témoin. Nous sommes donc à l'aube du 16 janvier 1910. Et la mère prieure est dans son lit, mais elle ne dort pas parce que elle est tombée malade la veille, sans doute par l'accumulation des soucis. Elle fait une pleurésie, c'est-à-dire une sorte d'infection des poumons, de la plèvre. Hein. Elle est rongée de fièvre, nous sommes au matin, et voici qu'elle sent une main très douce, qui relève ses couvertures sur elle. Et elle, eh bien, elle pense que c'est une religieuse du couvent qui est rentrée dans sa cellule, ne serait-ce que pour voir comment elle allait. Et elle dit simplement, eh bien, ne me couvrez pas ainsi, car je suis tout en sueur. Mais il y a une voix qui répond, et cette voix lui est inconnue. Elle ouvre les yeux, et elle distingue alors une jeune carmélite qu'elle n'a jamais vue. Et elle remarque que ses habits et son voile laissent transparaître une sorte de clarté, une clarté de paradis. Je veux dire par là qu'elle est lumineuse, tout simplement.
La première réaction de Mère Carmela, c'est évidemment l'émotion. Et donc, elle est à peu près persuadée, parce qu'elle n'a pas identifié cette sœur, qu'elle est en présence de Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice des Carmels réformés, qui a vécu au XVIe siècle. Et donc, elle s'écrit en italien « O Santa Madre Mia ». Et très simplement, la sœur qui lui apparaît lui répond en italien « Non, je ne suis pas notre Sainte Mère, mais je suis Sœur Thérèse de Lisieux. Je suis la servante de Dieu. » En effet, à cette époque-là, c'est le titre qu'on lui a donné pour le moment. Je veux dire par là que le procès en béatification vient simplement de s'ouvrir. Et donc, parce qu'il a été ouvert, elle a déjà ce titre de servante de Dieu. Et la religieuse qui lui apparaît lui dit en italien, une langue que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne connaissait pas, « Le Seigneur se sert des habitants du ciel comme de ceux de la terre pour secourir ses serviteurs. » Voici 500 lires avec lesquelles vous paierez la dette de votre communauté. » Et la prieure répond, « Mais notre dette n'est que de 300 livres. » Alors l'apparition lui répond, « Eh bien, le surplus sera en plus. » L'état qu'éprouve Mère Maria du Sacré-Cœur de Jésus est tout à fait spécial. À la fois, elle est réveillée, elle est parfaitement consciente, et en même temps, elle a l'impression d'être dans un demi-sommeil. C'est un état qui ressemble sans doute à celui que connut, par exemple, Sainte Catherine Labourée, la voyante de la rue du Bac en 1830, lorsqu'elle vit la Sainte Vierge. Et donc, l'apparition lui dit que, à cause du vœu de pauvreté, elle ne peut pas garder l'argent dans sa cellule, et donc elle l'invite à se lever, à la suivre. Et donc, elle la suit à travers les couvents qui sont tous dans l'obscurité. Et pourtant, la lumière qui émane de l'apparition de la religieuse carmélite les dirige. Mère Carmela obéit, elle suit la religieuse et elles arrivent ainsi directement à l'appartement de la tour, qui est, je dirais, un petit appartement, une cellule qui donne sur l'extérieur, et que l'endroit où est gardée la cassette, où est l'argent de la communauté. En effet, à cause du vœu de pauvreté, je l'ai dit, on ne peut pas garder d'argent dans sa cellule. Et là, toujours dans ce demi-sommeil, Mère Carmela voit que le coffret est vide, et elle voit la religieuse déposer à l'intérieur un gros billet de 500 lires, un billet qui est très rare à l'époque, hein, qu'en général on utilise très difficilement, un peu comme nos billets de 500 euros actuellement. Et puis, elle s'en va, elle disparaît. Complètement décontenancée et toujours dans cette espèce de rêve éveillé, Mère Marie Carmela dit à sa visiteuse d'attendre, qu'elle va la raccompagner, qu'elle risque de se perdre dans les dédales des couloirs du monastère, qu'elle ne retrouvera pas la sortie. Mais en italien, la petite carmélite lui répond, avec un sourire radieux, « No, figlia mia, no, la mia via e secura, e lo spaglia. » Ce qui veut dire en français, « Non, ma fille, non, ma voix est sûre et je ne me suis pas égarée. » Ce détail-là, quand les carmélites de Lisieux le recevront, eh bien, elles seront bouleversées parce qu'en effet, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait écrit, avait enseigné aussi à sa petite novice, Sœur Marie de la Trinité, une petite voie bien droite qui menait au ciel, une petite voie qu'elle estimait, eh bien, être toute nouvelle. Un jour même, lorsque sa novice Marie de la Trinité, dont voici une petite photo qu'on voit, qu'elle appelait son petit lutin, hein, elle est à gauche de Sainte Thérèse. Lorsque Sœur Marie de la Trinité lui avait demandé « Et si cette voix était fausse, si elle ne conduisait pas au ciel ?» Alors, Thérèse lui avait répondu « Si je vous induisais en erreur avec ma petite voix, ne craignez pas. Je ne vous la laisserai pas suivre longtemps. Je vous apparaîtrai bientôt pour vous dire de suivre une autre route. » Et donc évidemment, les sœurs du Carmel de Lisieux comprennent bien, instantanément, et sœur Marie de la Trinité en premier, qu'elles ont eu confirmation que la petite voie qu'elle avait inventée menait bien au ciel. Là, il me faut m'arrêter quelques instants pour définir ce que c'est que cette petite voie. D'abord, et bien évidemment, elle est présente dans l'Évangile, mais
Elle est présente éparse, comme cela, par des petites phrases que donne Jésus. Et la nouveauté de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est qu'elle a pris, elle a su tirer dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, et même dans les lectures des vies de saints qu'elle a faites au cours de sa vie, elle a su tirer quelque chose de structuré, une petite voie vraiment droite qui menait au ciel. D'abord, pour expliquer, il y avait un saint du XIXe siècle appelé Saint Alphonse de Liguori, un saint qui était extraordinaire, qui lui aussi a été nommé docteur de l'Église, qui avait raconté l'histoire de moines au début de l'Église, qui voyaient comme en rêve, le même rêve qu'avait fait Jacob dans l'Écriture. Il y avait une échelle dont les pieds étaient posés sur terre, ici-bas, et dont le sommet arrivait au ciel, donc dans le paradis. Mais, à la différence de ce qu'avait vu Jacob, le petit-fils d'Abraham, dans le livre de la Genèse, voici que ce moine, lui, il avait vu deux échelles. Une échelle rouge, et son rêve date à peu près du IVe siècle, une échelle rouge où il voyait des moines extraordinaires, des athlètes de Dieu, courageux, bardés d'armures de fer, qui s'en emparaient, qui montaient sur elles courageusement, et qui montaient. Le problème, c'est que les barreaux de cette échelle étaient aussi aiguisés que des lames de rasoir. Ils se coupaient les mains, ils étaient pieds nus, ils se coupaient les pieds, et souvent, ils tombaient lourdement sur le sol. Vraiment, en faisant un nuage de poussière, avant évidemment de reprendre l'échelle rouge courageusement pour se lancer de nouveau à la conquête du ciel. Et puis, il y avait à droite une échelle blanche qui, elle, avait des barreaux tout doux. Et ce moine voyait des personnes qui s'en emparaient tout doucement, humblement, et qui montaient l'échelle et qui arrivaient au ciel sans avoir eu besoin de tomber lourdement sur le sol. Ce rêve, il me faut l'expliquer, il est assez simple. Quand on connaît l'histoire des saints, on voit bien ce qui s'est passé. C'est vrai qu'au IVe siècle, lorsque, en Orient, on a inventé la vie monastique, c'était en pleine période du stoïcisme, et dans l'Église, il y avait une hérésie qu'on appelait le pélagianisme, qui consistait à dire que, pour conquérir le ciel, il faut être un athlète de Dieu. On prenait cette parabole qu'avait pris saint Paul en disant « Regardez les athlètes, ils sont capables de suivre des entraînements extraordinairement durs pour une petite couronne faite de laurier. » Et qu'on oubliera très vite. Pour conquérir le ciel, une fois qu'on a compris ce que c'est, on n'a qu'à se secouer, se mettre en marche, et on y arrivera, par une ascèse très dure sur son propre corps, par des exploits ascétiques, quelque chose de très fort, et le Seigneur nous donnera la vie éternelle. En réalité, lorsqu'on regarde très concrètement ce qu'ont fait les premiers moines, ils ont fait une sorte de concours pour inventer des ascèses particulières, pour dominer leur corps et pour tuer en eux tous les défauts qu'ils voyaient pointer dans leur faiblesse, parce qu'ils étaient atteints par les conséquences du péché originel. On pourrait citer, par exemple, un moine qui décida un jour par vœu. Il s'appelait Saint Sévère. Il décida de ne plus jamais, jusqu'à la fin de sa vie, se laver, de vivre dans le même vêtement afin de se souvenir à quel point il était un pauvre pécheur. Et lorsqu'il devint patriarche d'Antioche, on lui signifia tout de même qu'il aurait dû se laver. Il garda son vœu jusqu'à sa mort. On arriva à le laver juste avant sa mort, mais avec ses vêtements. Là, on pourrait dire que c'est ce qu'il y a de plus amusant, mais d'autres inventèrent d'autres circuits, comme par exemple Saint Siméon le stylite, qui lui se mit, dès le début de sa vie monastique, au sommet d'une colonne d'un bâtiment ruiné, une colonne grecque, et sans cabane, comme ça, qu'il fasse soleil l'été, qu'il fasse froid l'hiver, il vivait au sommet de sa colonne, on lui montait avec un petit panier, ou plutôt il montait avec un petit panier la nourriture qu'on lui donnait, et c'est ainsi qu'il vécut des années. On l'appelait l'encuirassé à cause des instruments d'ascèse qu'il portait sur lui pour ne jamais être confortable, et il priait sans cesse. La réalité, c'est que cette forme de vie était invivable. La plupart de ceux qui employaient cette vie ne réussissaient pas comme le fit Saint Simon Stylite ou d'autres. Ils tombaient lourdement au bout de 3 semaines ainsi sur leur colonne. Ceux qui essayaient d'être Stylite commençaient à s'ennuyer, à trouver le temps long, à se dire « Mon Dieu, et j'ai encore 40 ans à passer ici !» Et quelquefois, non seulement il tombait de cette colonne, il en descendait vraiment, mais en plus, quelquefois découragé, il retournait à Alexandrie, où leur vie était de nouveau une vie de péché. Et quelquefois, le péché était plus grand encore que ce qu'ils avaient vécu avant.
C'est ça que j'appelle les chutes lourdes sur le sol. En réalité, par ces chutes et le chemin qu'ils prenaient, ils découvraient leur propre misère, leur incapacité à suivre la loi héroïque qu'ils avaient empruntée. Ils n'y arrivaient pas, tout simplement parce que c'est impossible. On ne peut pas rester nuit et jour à prier. Il faut bien dormir par moments et se détendre. Voilà l'échelle rouge. On l'appelle l'échelle de Jésus-Christ. C'est une échelle virile. Jésus-Christ, c'est un homme. Et lui, Jésus-Christ, n'a jamais voulu être seul. Il a toujours voulu s'associer à la Vierge Marie pour adoucir ce que les gens pourraient prendre, parce qu'il se présente toujours comme un adulte avec une barbe. Donc les gens pourraient prendre ça comme une voie qui mène au ciel, toute seule, alors que ce n'est pas vrai. Jésus, il est à l'image de Dieu dans son humanité, mais c'est homme et femme l'image de Dieu. Donc Jésus et Marie, ensemble, inséparables. Quelle est donc l'échelle blanche qui mène au paradis? Eh bien, c'est à un moment donné, lorsque des moines comme saint Antoine du désert ou saint Pacôme se rendirent compte que la plupart du temps, ceux qui embrassaient cette forme de vie monastique par l'échelle rouge s'écroulaient, eh bien ils inventèrent quelque chose de modéré. On en a la trace, par exemple avec saint Cassien qui raconte ceci. C'est une histoire très belle qui illustre à quel point, au bout d'un certain temps, on entra dans la sagesse. Un jour d'Alexandrie vint un chasseur. Il voulait aller au désert pour chasser quelques proies. Et puis, il se dit qu'il allait passer par un monastère qui existait, là, qui était séparé du monde. Il s'attendait à trouver les moines, évidemment, dans leur cellule en train de prier. Et il fut surpris et même scandalisé à l'intérieur de lui de les trouver avec leur père abbé, qu'on appelle un igoumène, en train de jouer à une sorte de jeu avec une balle, le foot, si on peut dire. Il jouait et il s'amusait. Et lui était fort scandalisé, mais pourtant il était là, il n'en laissait rien paraître. Et l'igoumène, qui était très fin, se rendit compte de ce qu'il pensait, et donc il lui dit ceci. « Ah, tu es scandalisé de nous voir ainsi, non pas en prière dans nos cellules, mais en train de jouer. Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Et le chasseur répondit « Oui, mon père, demandez. Prends ton arc, peux-tu le tendre et tirer une flèche sur le sol ?» Le chasseur le fit. L'igoumène lui demanda « Ah non, tu n'as pas tiré assez fort, tu dois le tendre beaucoup plus, je voudrais voir jusqu'où elle s'enfonce dans le sol. » Et donc, il tira une deuxième flèche, en tendant son arc encore plus. Et l'igoumène lui répondit « Mais ce n'est pas assez, tu dois le tendre vraiment avec toute sa puissance. » Ce à quoi le chasseur lui répondit « Mais mon père, si je le tends davantage, mon arc va casser. » Eh bien, le père abbé lui répondit « Tu vois, pour les hommes, c'est pareil. » Si tu tends trop la corde, elle casse. Les hommes ont besoin de détente. C'est ça l'échelle blanche. C'est une échelle qui pousse bien moins loin les exploits ascétiques et qui mène vers le ciel par une petite voie, une voie qui est faite de sacrifices, qui est tout aussi dure peut-être, il faut acquérir certaines choses, je vais en parler tout à l'heure, mais qui passe par quelque chose, par des moyens beaucoup plus adaptés à la nature humaine. Quelle est donc la petite voix de sainte Thérèse, alors il n'y a rien de nouveau? Eh bien si, elle l'explique. Nous sommes à l'époque, quand elle écrit son livre vers 1896, alors qu'elle est déjà malade, nous sommes à l'époque où déjà a été inventé dans les immeubles ce qu'on appelle un ascenseur. Et elle explique, elle dit « Moi j'ai découvert que d'abord les exploits ascétiques que j'avais lus chez les pères du désert, j'en étais absolument incapable ». Je m'agaçais quand, par exemple, j'étais au lavoir, que pourtant nous avions l'ordre de laver le linge en silence, qu'une sœur à côté de moi avait des gestes un peu brutaux et que de l'eau me parvenait sur le visage, j'avais envie de lui répondre vertement de faire un peu plus attention. Voilà quelles étaient mes luttes intérieures, dit-elle, sainte Thérèse. Et donc, les exploits ascétiques, les jeûnes terribles, quelquefois 40 jours, elle en était absolument incapable. En ce qui concerne maintenant les petits efforts quotidiens, c'est pareil. Au début, c'était trop dur pour elle. Elle n'y arrivait pas. Elle raconte par exemple comment un jour, alors qu'elle était à l'oraison, eh bien, elle subit un martyre pendant toute l'oraison parce que la sœur, un peu âgée, qui était à côté d'elle, elle avait une sorte de grincement avec ses dents, comme ça, mais personne ne s'en rendait compte, il n'y avait qu'elle avec son ouïe, qui était super fine, qui entendait ce petit bruit, qui devenait abominable, au point que de la sueur froide courait dans son dos.
Donc, même des petits sacrifices, elle n'arrivait pas à les faire au début. Et elle était là avec ses défauts féminins. Elle le dit à sa petite novice. Je m'agaçais et je voyais tout. C'est un défaut qu'on connaît, hein. On sait que nous, les hommes, en général, on ne voit pas les petites choses, mais on est tout à fait conscient des grandes choses, hein, des grandes fautes, de ce qui est visible. Alors que les femmes, elles voient tout avec leur œil aiguisé. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci. Cet ascenseur, j'ai vu ce que c'était. Il suffit de monter dedans et sans effort, il nous mène jusqu'au sommet de l'immeuble. Eh bien moi, je me suis imaginé que j'étais un tout petit bébé, à peine capable de marcher. Par le peu de sacrifices que je faisais, quand je considérais les saints des temps jadis qui, quelquefois, alors qu'ils étaient enfants, étaient capables de passer des heures en prière, et qui quelquefois, eh bien, il apparaissait autour d'eux des phénomènes mystiques, et moi je n'en avais aucun. Je me suis dit que je n'étais pas capable de cela, même cette sainteté-là ne m'était pas adaptée. Et donc, je me suis imaginé un bébé qui savait à peine marcher et qui montait dans les bras de Jésus. Et Jésus le prenait dans ses bras, ce bébé, et prenait l'ascenseur, et nous emmenait comme ça simplement vers le ciel. Donc, concrètement, qu'est-ce que la petite voix à son début? Alors qu'on est pécheur, qu'on n'arrive à rien, qu'on n'arrive pas à rester à l'oraison, alors qu'on est comblé de grâce, 10 minutes sans partir dans l'imaginaire. La petite voix, c'est celle de la confiance totale en Jésus. Donc une confiance passive. Pour ceux qui sont théologiens, ils diront « Mais c'est quoi ça ?» Ça, c'est la voix des protestants. Quand les protestants disent que la confiance suffit, il suffit de faire confiance en Dieu, d'avoir la foi, et on est sauvé, et que l'Église a condamné cette voie-là en disant, dans le Concile de Trente, « Mais ça ne suffit pas, la confiance, c'est la porte du reste. Mais il faut plus que cela, il faut une charité réciproque. Ça veut dire une réponse, par ses propres actes, à l'amour de Dieu. » Alors, qu'en est-il? Est-ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus serait hérétique? La réponse est bien sûr non. Elle ne s'arrête pas là. C'est le début de sa petite voie. Voilà, elle explique. Au début, voilà le chemin qu'on prend, celui de l'ascenseur. Et donc, on fait parfaitement confiance, on est abandonné à Dieu. Et puis, très vite, on grandit, on fréquente Jésus, on lit, on apprend à découvrir ce qu'il enseigne. Et alors, là, on va emprunter l'échelle blanche, l'échelle de la Vierge Marie, cette échelle douce dont j'ai parlé là, juste au début. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, Sainte Thérèse parle de la voie de l'enfance. Cette fois, ce n'est plus un petit bébé, c'est un enfant. On est en train de croître. Et donc, à ce moment-là, on va faire des gestes vraiment, pour faire plaisir à son papa, à sa maman, donc à Jésus, à la Vierge Marie. Mais les sacrifices qu'on fait là ne sont pas d'énormes sacrifices, hein. Il ne s'agit pas de partir à la guerre. Même si elle le dit, Sainte Thérèse, elle avait des désirs de gloire absolue, au point que son père spirituel, à un moment donné, avait cru bon de la modérer en disant « Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la vanité en ayant de si grands désirs ?» Et donc, dans cette phase de l'enfance, Sainte Thérèse se considère vraiment devant Jésus comme une petite enfant. Et là, ça consiste à faire, au jour le jour, dès qu'il se présente, un petit sacrifice, pas un gros. Reprenons les deux tentations qu'elle raconte, à savoir, premièrement, cette sœur à côté d'elle qui lui lançait de l'eau sans le faire exprès au lavoir. Eh bien, au lieu de protester, comme elle aurait pu le faire, elle décide d'en faire un sacrifice gigantesque, une bataille. Elle ne dit rien, elle prend sur elle et même, elle se montre très souriante. Et quand elle reçoit de l'eau, à la rigueur, elle sourit à la sœur à côté, comme si c'était amusant. Alors qu'en réalité, à l'intérieur d'elle-même, elle est profondément agacée. En ce qui concerne le petit bruit à l'oraison, par la sœur qui l'énerve, par ce grincement de dents, alors elle décide, à partir de maintenant, puisqu'elle ne peut plus prier, d'écouter ce bruit et de l'écouter, et de l'offrir à Jésus, et d'en faire comme une sorte de concert, de musique, qu'elle offrirait ainsi, durant toute l'oraison. Voilà comment, à travers de petites choses que les enfants font, qu'elle distingue bien de la puérilité, hein. Là, ici, ce sont plutôt ce que ferait un enfant. Lorsque je me rappelle, quand j'étais petit, un jour, je voulais faire un cadeau à ma maîtresse d'école. Et donc, j'étais allé dans les champs ramasser des fleurs, et je n'avais pas trouvé autre chose que des fleurs de choux. Du champ, du paysan.
Et la maîtresse d'école, en me voyant arriver avec un bouquet de fleurs de choux, avait dit « Mais est-ce que ce ne sont pas des fleurs de choux ?» Je m'en souviens encore, j'avais dit « Non, je les ai ramassées dans les champs. » Ah, c'était des fleurs de choux. Mais elle avait accepté ce bouquet de fleurs, tout simplement. Voilà comment Dieu réagit à nos petits sacrifices. Alors, du coup, et la suite? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Sainte Thérèse a tout enseigné? Bien sûr que non. Quand l'enfant grandit, que les petits sacrifices s'accumulent, à un moment donné, Sainte Thérèse est amenée à devenir non pas simplement l'enfant de Jésus, mais son épouse, après avoir été sa fiancée. Et là, l'épouse, c'est une adulte, évidemment. Mais ça se fait en son temps. Et donc elle prononce ses vœux perpétuels. Et elle raconte que, juste après ses vœux perpétuels, en rentrant dans sa cellule un soir, elle sent comme un saignement de sang. Elle crache dans son mouchoir, mais il fait tout à fait nuit dans la cellule. Elle ne peut pas regarder. Elle a juste la pensée que ça semblait être le goût du sang. La pensée que, dans la joie, bientôt elle verrait sans doute Jésus. Et de fait, le matin, à l'aube, lorsque pointe le... Eh bien, elle constate que c'était effectivement du sang. La tuberculose, la première marque de la tuberculose. Jésus n'a donc pas attendu. Dès qu'elle s'est mariée avec lui par ses vœux perpétuels, aussitôt, il l'a menée dans la voie qui va la conduire à la perfection. Et là, il faut que je l'explique, afin que chacun comprenne, parce que cette voie ressemble à l'échelle rouge. En réalité, ce n'est pas du tout l'échelle rouge, hein. C'est autre chose, mais ça conduit à la même chose. L'échelle rouge, c'est une voie de volontaristes, hein, de gens qui véritablement sont un peu pélagiens. Il n'y a rien à faire, le pélagianisme a été une hérésie qui a été condamnée. L'échelle rouge, c'est plutôt l'acceptation de tout ce que, comme épreuve, Jésus pourra nous envoyer pour purifier nos âmes. Mais ceux qui se demandent « Pourquoi faut-il passer par là ?» Il faut que je rappelle tout de même ce qui unifie toute la théologie. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. On ne peut pas. C'est une chose que Moïse déjà avait reçue comme révélation au buisson ardent. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Cela signifie en fait que ce n'est pas un caprice de Dieu. Nous le savons, nous. C'est à cause de ce qui se passe en Dieu, dans la Trinité. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ce Dieu unique dans sa vie intime, il s'avère que il est le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Ça, nous le savons depuis l'Ancien Testament. Mais, clairement, il a un secret. Il y a une relation entre les trois personnes de la Trinité qui sont absolument semblables, égales, homoousion, dit-on en grec, dans le credo. Eh bien, il y a une relation d'infinie humilité. Chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même, ce qui n'est pas normal, puisque elles sont absolument semblables. Et le Fils dit au Père, « Je ne suis que ton Verbe, ta connaissance, je ne suis que par toi, tu es plus grand que moi. » Et le Père, qui ne peut pas être Père sans son Fils, un Père n'est Père que parce qu'il a un Fils, dit au Fils, « Je t'ai exalté, je t'exalterai encore. » Je ne suis que par toi, Père. Et le Saint-Esprit, qui est leur amour mutuel, qui jaillit, dit « Je ne suis rien, je ne suis que votre amour, vous seul comptez. » Évidemment, voir face à face ce Dieu qui est jaillissement de puissance, mais aussi de lumière et d'amour, le voir face à face, alors que nous arriverions pleins de vanité en disant « Regarde Seigneur, j'ai été aux Jeux Olympiques la grenouille qui a sauté le plus haut. » J'ai été l'homme qui a couru le plus vite parmi les gazelles de la terre. Si nous arrivons avec une quelconque vanité, quand nous voyons que notre Créateur qui a fabriqué les galaxies se met plus petit que nous, nous ne pouvons pas supporter la vision béatifique, nous fuyons. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc, Dieu est contraint, vraiment. Il ne peut pas faire autrement, ce serait changer sa propre nature. Certains m'ont reproché de dire que du coup Dieu n'était pas tout-puissant. Mais Dieu est tout-puissant sur ce qui est possible. Est-ce que Dieu peut faire autre chose qu'être Dieu? Et donc, eh bien, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Résultat, il nous éduque. Et la petite Thérèse, ainsi préparée par la petite voix du bébé, puis la petite voix de l'enfance, entre maintenant dans la voie de l'adulte, où elle va mourir à elle-même. Je raconte comment ça s'est fait. D'abord, Dieu
va lui retirer le trésor de son âme. C'est quelque chose de stupéfiant, hein, mais qui doit nous permettre de comprendre ce que c'est que la nuit de l'esprit. Quel est le seul trésor de l'âme de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la gloire devant les autres sœurs. Non, c'est Jésus, c'est la présence de Jésus qu'elle a fréquenté jusqu'ici à l'oraison, dans le désert, hein, avec souvent de la sécheresse, mais il était là. À partir de sa maladie, une nuit totale, il se retire, elle est dans l'obscurité, au point qu'elle dit « Je dis que je crois et c'est ça qui me fait croire. La foi n'est plus qu'au bout de mes lèvres, elle n'est plus dans mon cœur. » Nuit totale, qui évidemment, quand on perd son trésor, conduit au désespoir. Elle le dit à un moment donné, parce que ceci est accompagné de l'horrible étouffement de la tuberculose qui l'amène à la mort. Elle le dit « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Elle le dit une seule fois. Il y a une autre phrase qui dit « Ah, si je n'avais pas été chrétienne, mille fois, je me serais tuée. » C'est tout, mais c'est suffisant pour comprendre par où elle est passée. Donc, elle est morte à elle-même. Elle n'a plus aucune illusion sur elle. Si elle avait, par sa petite voix, quelque chose qui l'attachait encore à quelque chose, la certitude d'avoir trouvé une lumière, ça ne compte plus. Elle est passée par la mort. Voilà comment le Seigneur l'a fait. Et donc, on le voit. Évidemment, elle va vivre courageusement ces épreuves terribles. Elle ne va jamais se suicider, bien sûr. Elle va les mener jusqu'au bout en demandant parfois à sa prieure « Ma mère, est-ce l'agonie? Ah, ah, je voudrais tant que ça s'arrête. Oh, mais Seigneur, tant que tu veux, si tu veux me faire souffrir encore des jours et des jours, je l'accepte, je l'offre. » On le voit dans les derniers entretiens. Donc, je l'ai dit, la petite voix de Sainte Thérèse n'est pas plus facile que les autres voix, mais elle est toute droite. Et la souffrance qui va nous purifier le cœur n'arrive qu'au moment où la Sainte Vierge le sait, que nous sommes prêts à cela. Alors que pour les autres, hein, les grands guerriers des temps jadis qui prenaient l'échelle rouge, qui se prenaient pour quelqu'un, il fallait bien que l'épreuve arrive dès le début et ils tombaient lourdement sur le sol. C'était la manière qu'avait la Sainte Vierge de leur apprendre l'humilité à ces enfants puissants. Pour un petit enfant comme Sainte Thérèse, ce n'est pas du tout comme cela. Donc voilà, voilà ce que signifie cette petite phrase, hein, en italien, « Non, ma petite voix, non, ma chère fille, non, ma petite voix est sûre et je ne me suis pas égarée. » Mère Carmela, alors, se réveille dans son lit et là, avec son bon sens, les pieds sur terre, elle pense avoir fait une sorte de rêve, une sorte de songe, quelque chose de très fort évidemment, mais je dirais, elle doute en même temps, c'était quelque chose de si particulier. Et donc elle va se lever, sa maladie semble être tombée, elle n'a plus de fièvre, et elle se dirige vers l'endroit où les religieuses sont réunies pour la messe. Et là, eh bien, elle se met avec elles. Et à la fin de la messe, dans la sacristie, eh bien, elle ne peut pas faire autrement que de raconter son rêve, ce rêve étrange qu'elle a fait. Et la sacristine, qui est une sœur aussi, qui a les pieds sur terre, lui suggère d'aller voir si par hasard, dans la cassette, il n'y aurait pas le billet de 500 lires qui aurait été déposé. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas seulement un rêve. La prieure, toute troublée, commence par refuser en disant « Oh non, 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 je vous raconte ça, mais c'est un péché de croire aux rêves. Le Seigneur se cache tant qu'on est sur la terre. » Et puis finalement, sur la pression des autres sœurs, elle finit par aller voir, dans la petite pièce, la cellule de la tour. On ouvre le coffret et là, on ne trouve pas un billet de 500 lires, mais 10 billets de 50 livres, qui sont beaucoup plus faciles à donner, évidemment. Là, vraiment, elles sont devant un fait objectif. Ce n'était pas qu'un rêve. Et donc, évidemment, elles payent le débiteur en question. Et puis, il leur reste 200 livres. Elles ont beaucoup d'autres dettes à payer. Elles vont se servir de cette somme. Et ainsi, de janvier à mai, dans la petite cassette qui est ainsi, dans cette cellule de la tour, vont apparaître au fur et à mesure des billets. Des billets qui s'accumulent et avec lesquels elles peuvent payer toutes les dettes du couvent. Et le couvent retrouve, eh bien, une sorte de souffle financier en tout cas. Toutes les sœurs sont absolument persuadées que c'est une intervention de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En tout cas,
elle garde certaines des coupures, certains des billets, qui plus tard seront vérifiés par la banque italienne, hein, pour voir si par hasard ce ne sont pas des faux billets, ou alors, eh bien, des billets authentiques qui auraient disparu d'un endroit. Eh bien, la banque, avec son expertise, dira « Non, ce sont des vrais billets italiens qui ont été mis en circulation, on ne sait pas d'où ils viennent. » À la fin du mois de mai, de nouveau Thérèse apparaît à Mère Maria Carmela. Et là, elle lui confirme qu'elle a apporté cet argent et elle ajoute qu'elle va rajouter 50 lires supplémentaires dans la réserve. Et effectivement, à l'ouverture du coffret, eh bien, on trouve 3 billets de 50 lires au lieu de 2, alors qu'il y avait un besoin de 100 lires. On peut reconnaître ici quelque chose qui s'est passé lors de la multiplication des pains, de manière analogique. Il y avait pour tout le monde et il y avait du surplus. Ça veut dire que les dons de Dieu ne sont pas seulement, je dirais, à la limite du besoin, mais vont bien plus loin. Ils comblent le cœur. Ce n'est pas seulement du pain, c'est aussi du vin, c'est-à-dire la joie, l'allégresse qui est donnée, par exemple, dans l'Eucharistie. Le 16 juillet, c'est la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, donc la fête de la Mère Prieure. Thérèse lui apparaît encore, et de la même façon, dans ce rêve demi-éveillé, mais qui est concret, et elle la voit qui dépose, au pied de la statue du Sacré-Cœur, du couvent, un billet de 5 lires. Et puis, elle lui dit que elle en donnera bientôt 100 de plus, sans lui expliquer la raison. Mais la raison va bientôt apparaître. Alors en tout cas, pour ces 5 lires, hein, ça montre en fait, Sainte Thérèse est en train d'indiquer à la Mère Prieure à quel point sa prière, le tridium qu'elle a inauguré, a plu au ciel. Et c'est pour ça. Donc c'est aussi à cause de cette confiance qu'elle a marquée. Alors en ce qui concerne les 100 livres maintenant, eh bien évidemment la nouvelle de cette foison de grâce sur le couvent de Gallipoli est arrivée jusqu'à l'évêque de Nardo, Monseigneur Müller. Et lui, eh bien à un moment donné, il fait une petite réflexion en disant « Ah, j'aimerais bien obtenir la même grâce, hein. Dans mon évêché aussi, il me manque 100 livres. » Mais en même temps, avec cette mauvaise pensée, il se reprend et il dit « Oh non, je plaisantais, je préfère que ce soit tout de même à votre couvent qu'apparaissent les 100 livres. » Et voilà qu'arrive le 6 août 1910, Thérèse apparaît de nouveau et annonce qu'elle a mis 100 livres dans la cassette de la maison. Et elle précise « La puissance de Dieu retire ou donne avec la même facilité aussi bien dans les choses temporelles que dans les choses spirituelles. » Là, il faut que je commente. Hein. Les choses temporelles, on le comprend. Si nous avons confiance, évidemment, les dons arriveront. Mais les choses spirituelles, est-ce que Dieu pourrait retirer des grâces spirituelles? Ça, c'est une chose que les théologiens disent. Mais non, certains d'entre eux disent, c'est impossible. Dieu ne va pas nous retirer des grâces spirituelles. Eh bien, je dirais que les théologiens ont raison et ils ont tort. En réalité, bien sûr que Dieu peut nous retirer des grâces spirituelles, mais c'est toujours pour faire grandir une grâce spirituelle supérieure qui va nous conduire au salut. Par exemple, si on regarde l'Europe occidentale, où on voit bien que, bizarrement, à partir de la fin de la guerre 14, on dirait que chez les enfants qui font leur première communion, la grâce spirituelle est moins intense, puis elle semble, après la Seconde Guerre mondiale, presque disparaître, au point que les enfants, eh bien, dans la génération de mai 68, vont tous ou presque apostasier leur foi. Ils ne sont plus attirés par l'Évangile, ils vont se tourner vers le monde. Certains disent, mais c'est de leur faute, ils se sont montrés orgueilleux. La réalité, c'est qu'il y a aussi l'action de Dieu. Si Dieu voulait les attirer, ils seraient brûlés, comme l'avait dit Jean-Baptiste, hein, Dieu peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. S'il retire une grâce spirituelle, c'est sans doute parce qu'on est face à une génération qui a été tellement comblée de biens spirituels par ses ancêtres qu'elle a développé beaucoup d'orgueil et donc que le ciel décide de la faire passer par un temps de désert, de lui retirer les vêtements de noces dont elle avait revêtu depuis le renouveau de l'Église en France à partir de 1830. Comme le dit le livre d'Osée, « Je te conduirai au désert ». Et on le voit, cette génération née en 1945 a créé un monde sans Dieu, athée, matérialiste,
avec uniquement comme finalité jouir sans entrave. Est-ce à dire que Dieu a décidé la perte de cette génération? Pas du tout. Donc, là où les théologiens ont raison, c'est que ce retrait de la grâce, de l'attraction chez ces enfants, qu'a donné des adultes incroyants, était en vue de les faire passer par une épreuve spirituelle, et qu'un jour, angoissés, ils se tournent vers Dieu. J'en ai eu la preuve récemment par une petite chanteuse, Françoise Hardy, qui est morte. Elle est morte en 2024. Une petite chanteuse qui était des années 60s, donc qui était vraiment de cette génération. Eh bien, j'ai vu comment Dieu, vraiment, avait sauvé son âme. Je ne l'ai pas vu par une apparition, mais par la déduction théologique. D'abord, un jour, eh bien, elle a commencé à être atteinte d'un cancer de la gorge qui lui retirait ses biens spirituels, son chant, et ce cancer évidemment rongeait sa vie. Et elle, qui avait perdu la foi, qui l'avait envoyée balader depuis longtemps pour se tourner vers des eaux qui ne donnent pas à boire vraiment, le bouddhisme, etc. Un jour, mon neveu, alors qu'il était dans une église à Paris, l'a vue, l'a reconnue. Elle était à genoux, au pied de l'autel de la Sainte Vierge, et elle priait. Et puis, manifestement, il n'y a pas eu de réponse du ciel. La Sainte Vierge ne l'a pas éclairée dans son âme, puisque, lorsqu'elle est morte, eh bien, elle a demandé à ne pas être enterrée à l'église. Un enterrement civil. Là, on pourrait se dire, mais elle est perdue. C'est donc qu'elle a été abandonnée par la Sainte Vierge. Non, pas du tout. La Sainte Vierge l'a laissée boire jusqu'au bout la coupe des conséquences de ses actes, en a fait une prophétie de toute la génération de mai 68 qui sans doute vivra la même chose, qui bientôt sera dans des maisons de retraite, qui peut-être se votera des lois sur l'euthanasie. Et le ciel laissera faire, pour ensuite, évidemment, à l'heure de la mort, apparaître, se montrer, lui rappeler les souvenirs de l'enfance avec les petites religieuses qui donnaient le catéchisme et qui n'ont pas été écoutées, mais qui seront là, pleines de miséricorde. Alors, il se passera pour cette génération la même chose que pour la femme qui s'appelait Marie de Béthanie, qui avait cassé au pied de Jésus un vase de parfum une année. Tu vois, disait Jésus à Simon, tu vois, cette femme, oui, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup pardonnée. Et celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Voilà l'échelle rouge, pour le coup, par laquelle Jésus peut effectivement faire passer certaines personnes pour les conduire au paradis. Donc, cette phrase qu'a dit Sainte Thérèse est tout à fait profonde. Il y aura ensuite une autre apparition qu'elle aura, Mère Marie-Carmen, le 5 septembre, veille de la première exhumation de Sainte Thérèse. Et on découvrira, lorsqu'on va l'exhumer, que son corps n'était pas intact. D'ailleurs, elle l'avait demandé un jour, alors qu'elle était à l'agonie, elle disait « Ah, quand j'étais allée en Italie, j'ai vu cette coutume des Italiens d'exposer le corps des saints. Mais, à part Saint Crispin, quand même, le travail des anges n'est pas bien brillant. Oh, moi je préférerais être réduite en poudre plutôt que d'avoir un tel travail. » En réalité, c'est vrai, les corps intacts, parfaitement intacts, il y a Sainte Cécile, il y a Saint Charbel, mais les autres sont plutôt momifiés. Et donc, ne serait-ce que parce que sa petite voix ne devait passer par aucun phénomène paranormal ou un ou deux. Elle avait eu une petite apparition dans son enfance qui l'avait guérie, mais rien d'autre. Eh bien, sans doute, en ayant son corps qui se décompose, elle montrait la voie de tout le monde une fois de plus. C'était une parabole. Bref, elle lui apparaît ce jour-là et elle discute avec Mère Marie-Carmen de sa petite voix, mais aussi de questions concernant la spiritualité, et ceci toujours dans ce rêve demi-éveillé. Qu'est devenu par la suite le Carmel de Gallipoli? Eh bien, le récit de ce miracle a été si connu, ainsi que la grande pauvreté de ce couvent, que les dons ont commencé à affluer. Des gens de toute l'Italie envoyaient de l'argent pour aider ce couvent. Et du coup, à un moment donné, eh bien, le miracle s'est arrêté. Et maintenant, il passait par la générosité des anges de la terre qui venaient aider ce couvent. Mais, comme on le voit, quelle leçon de spiritualité Sainte Thérèse a donnée.